Hello, hello, ici Mitsumanga, et aussi aujourd'hui on s'est retrouvé pour donc le clair de lune, l'ending et l'happy ending de Shin, enfin. Alors je ne sais même pas si je vais avoir une très bonne qualité d'audio, franchement j'ai testé, c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc c'est une qualité audio qui n'est pas super bonne et qui n'est pas non plus super mauvaise. Mais comme mon PC a décidé de me faire chier avec mes logiciels de capture d'écran, donc je n'arrive plus à utiliser ApplicatCher, parce qu'ApplicatCher, comme vous l'avez vu sur ma vidéo de Sayata et de la vidéo de Zafira, eh ben ça enregistre la moitié de mon écran et le reste de mon écran, ben je sais pas où il est. Donc voilà. Donc j'ai cherché plein d'autres logiciels et franchement c'est hyper hyper chiant. Ça veut pas marcher et donc voilà. Donc apparemment j'utilisais un logiciel en ligne, donc je pense qu'il ira un peu mieux que les autres que j'ai déjà testés. Donc voilà. Donc je vais essayer, on verra bien. Donc je ferai aussi le chapitre aussi de Zafira juste après, que je devais faire aussi. Alors je tenais aussi à vous expliquer, donc je vous montrerai, j'ai une petite surprise à la fin de la vidéo, donc vous verrez bien la fin de la vidéo, je vous l'expliquerai, parce que là on va se concentrer sur Clair de Lune. Alors Minou, franchement elle a fait un bad ending, j'espère vraiment qu'il n'est pas trop triste ou trop Eh mais j'ai peur. Attendez. Voilà. Alors, Clair de Lune, ending, on va commencer. Mais parce que moi j'ai le truc d'enregistrement et j'arrive pas à le faire bouger. Putain, ça fait chier par contre. Alors, entre ton nom. Donc, Mitsu. Alors, attendez, je vais juste le monter en plus haut parce qu'en fait, mon truc d'enregistrement est là, je ne le voyais pas peut-être. Et je vais juste baisser parce que, vu que mon logiciel, je sais pas comment il réagit face aux sons qui sont extérieurs à moi. Mais attention, rival tienne alors, patate. Pas changer les vieilles habitudes, oh yeah. Coucou, merci à toi d'avoir attendu longtemps cet ending, je sais que j'étais très en retard. Mais évidemment, je compense entre cette longue attente en rendant l'ending bien mieux que celui que j'avais pu m'imaginer. Et surtout rempli de surprises. Je m'excuse d'avance de ne pas faire l'ending de Tsuki pour la simple et bonne raison que la route de Tsuki n'aurait pas dû exister, mais surtout qu'il n'y aurait pas dû avoir de fin sur lui. Oui, voilà, Mino, elle arrive bien à s'en ressortir de ça. Moi, c'est pareil, vous voyez, Haruka, je vois pas l'intérêt de continuer puisqu'il n'a pas eu grand succès. Et que voilà, moi j'aime bien faire sur un personnage que les gens ont tous kiffé, que faire sur un personnage que les gens ils ont aimé, mais pas plus que ça. Donc voilà, je préfère quand même me concentrer sur Sayata et puis sur un autre jeu qui pourrait être beaucoup plus travaillé. Parce que pour l'instant, moi et Mino, on est plutôt en mode bêta test. Hein, c'est pour ça que nos jeux, des fois, enfin surtout moi, c'est pour ça que surtout mes jeux ne sont pas finis ni rien. Donc voilà. Je m'excuse d'avance de ne pas faire le j'ai lu. Sachant que de base, de chapitre 1 à 10, c'était Shin et que Tsuki avait une histoire qui tournait en boucle, donc voilà. Et petite parenthèse, niveau apparence du jeu, ça restera le même, je n'utiliserai rien qui change, car tout simplement, je préfère qu'il n'y ait pas de différence d'apparence entre les autres chapitres. Sur ce, j'espère que l'ending de Shin te plaira, et je te conseille de commencer par le mauvais ending et terminer sur un truc bien plutôt que ça soit le contraire. Bon jeu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le bad ending, hein. Oui, voilà. Mais de toute façon, j'allais pas commencer par le happy, parce que sinon j'aurais été... Franchement, si je commence par le happy, je serais toute heureuse, puis je commence par le bad ending, laisse tomber, je vais mourir, quoi. Bad ending. Donc j'ai choisi le bad ending, accroche-toi bien, monsieur... Ah non, arrête Mino, s'il te plaît. Mais pas ça, hein. Finalement, après le baiser de Shin, je lui ai dit que je devrais rentrer. Je me sentais terriblement perdue, m'aimait-il, me déteste-t-il? Telle était la question. Ah, du Shakespeare, quoi. Le lendemain, c'est la semaine des examens, je ne m'étais pas préparée, vu que finalement, j'avais passé toute mon année avec Shin. Elle m'a fait peur. Ça va, Doudoule? Il est en train de niquer avec la couverture, lui. C'est un truc de dingue. Coucou, Mitsu, comment vas-tu? Ça va, et toi? Ah, mais c'est Patate qui est gentil, en fait. Oh, j'ai un peu lui appelé Patate. Ça va, tu viens, on y va. Ok. Tiens, Mitsu, comment s'est passé ton week-end? Attendez, je vais mettre juste un peu de musique là de fond. Putain, la musique triste quoi. Ça peut aller. Et toi, Pat? Et toi, Patate? Eh bien, j'ai passé du temps avec Shin, c'était bien. Quoi? Je me suis assez angoissée soudainement.
Mitsu, tu es sûr que tout va bien? Oui. En parlant de Chine, il est bizarre aujourd'hui, je trouve. Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Et toi, Mitsu? Non, je ne l'ai pas vu non plus. Ah, dommage alors. Peu de temps après, nous étions partis en cours pour les examens de fin d'année. Sauf que je demande aux filles de continuer toutes seules afin de vérifier quelque chose dans nos casiers. Mitsu, est-ce que je pourrais te parler, s'il te plaît? Oh putain! Ouais, c'est bon, elle a l'air triste et tout. Hein. Et moi, je suis gentille, c'est bon, oui, si tu veux. Oui, ok, tu as fait un bon choix. Putain, ouais, tu auras les illustrations, Yuji. Oh ben, j'en veux même pas, mais bon, c'est pas grave. Écoute, Mitsu, ça fait un moment que j'y pense. Je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'elle va faire? De what? Je m'excuse, je suis désolée, Mitsu, pour tout ce que je t'ai fait. Mais c'est quoi ce retournement, putain, Yoji qui est gentil, quoi. Oh my god! Je sais que tu ne pourras sans doute pas me pardonner. Oh bah putain, là. Mais j'ai compris, grâce à toi, que ma vie ne se résumait pas à Chine. Yoji qui comprend! Yoji qui fait la part des choses! Mais c'est une blague! Yoji se met à pleurer. Je suis tellement désolée pour tout. Yoji s'en va en courant dans le couloir. Encore surprise de ce qu'elle m'a dit, je ne sais pas quoi penser. Bah, c'est clair, on est trop loin maintenant pour que je puisse la rattraper. Après les cours, Shin avait demandé à me parler, je me sens très angoissée à l'idée de lui parler. Pourquoi est-ce que tu voulais me voir? Oh putain, attendez. Pardon des mots, mais bon, c'est bon, on est entre nous. Je me suis remis avec patate, j'ai plus. J'ai plus besoin de toi maintenant. Ah merci, t'es toujours aussi cash, ça fait plaisir. Hein. Franchement, ta franchise m'avait manqué. Ton éternelle franchise m'avait manqué, Shin, tu sais pas à quel point. Ah là là. Ces mots me déchirent comme des lames. Oh mon dieu, Mitsu! Bon bah, ah oh, putain! Bon bah voilà, plus! Mais merde, c'est quoi ce type? Mais franchement, il n'y en a rien à branler quoi, il s'en fout, mais d'une force! Il nous a foutu un vent à 40 000 à l'heure quoi, bam! Oh bah, je me suis remis avec patate, c'était cool le temps qu'on a passé ensemble, mais voilà, à plus! Je peux même pas le laisser partir comme ça. Chine, tu as débloqué l'ending bad ending. Pour toi, pourquoi c'est tellement dur? Qu'est-ce qu'il y a? Non, lui avoue pas des sentiments, sinon c'est pourri là. Non, je ne peux pas lui avouer mes sentiments maintenant. Ça, oh, ben voilà. Ça a tout gâché entre Chine et Patate, sachant qu'il a l'air plutôt heureux ces temps-ci. Je ravale ma salive avec tout le mal que j'ai à dire quelque chose. Je te souhaite une bonne relation avec Patate. Quoi, que veut-il me dire? Cette façon dont il plisse les yeux, j'ai l'impression que lui aussi veut me dire quelque chose. Merci. Sans que je n'aie eu le temps de dire quoi que ce soit, il s'en va. Je ne sais pas ce qu'il sera passé finalement. On se sera dit les choses. Mitsu n'avoue finalement pas ses sentiments envers Shin. Shin termine amoureux de Patate, mais finalement, qu'en est-il de ses vrais sentiments? Même si tu avais au plus profond de toi qu'à ce moment-là, Shin était follement amoureux de toi et qu'il se cachait depuis le début. Tu aurais préféré rester là et tout gâcher, et ne rien gâcher entre eux. Merci d'avoir joué à mon jeu. Je ne pensais pas que vous seriez autant nombreux à le suivre. Encore merci à vous. J'espère que Clair de Lune vous aura plu. Et une dernière chose, pour ceux qui ne savent pas encore, Clair de Lune signifie finalement dans l'histoire le début de leur amour, où finalement Shin et Laurine auraient pu avoir leur premier baiser. Bon voilà, plein de bisous et à bientôt pour un nouveau visuel Noël. Alors merci Mino, heureusement qu'elle a foutu la happy ending enfin, ça c'est super intelligent parce que moi j'aurais pas pensé, j'aurais fait bon bah salut et les gens ils arrêtent oublié de mourir. Putain j'ai peur de ce bruit! Ah franchement Mino t'as été super gentille dans le bad ending, franchement je pensais qu'elle allait être super sadique. En fait elle fait exprès de vous dire qu'elle est hyper sadique machin au début et là je suis en train de paniquer en disant putain quelle merde il va m'arriver dessus. Et en fait ça va c'était plutôt cool, c'était pas, j'ai pas pleuré ni rien. Parce que moi je suis un cœur de guimauve, hein, je pleure facilement donc si ça avait eu un truc trop trash j'aurais pleuré. Non, je kiffe les cœurs comme ça mordus là, c'est trop beau. Ah, tout le monde rêve d'une fin heureuse, n'est-ce pas? Mais est-ce que vraiment ce qui va arriver? Ah, bah non, s'il te plaît, Mino, telle la question car c'est tout de même Chine. Après ce baiser, nous nous retrouvons dans la chambre d'hôtel. Attendez, parce que. Putain, la musique, écoutez! Mais une fois à la porte fermée, les mains de Chine m'avaient attrapé les joues m'attirant contre son nez. Ah putain, mais c'est encore pire que ce que je pensais! C'est quoi ce bruit?
C'est grave, je dois dire. C'est vrai que ce n'était pas brut. Eh, oh, c'est bon, ils ont déjà fini ou quoi? Comment ça, brutal, là? Ah, d'habitude, tu as l'air toujours aussi froid et brutal. Je crois que c'est le moment de lui avouer. Il me fixe d'un drôle de manière, je ne sais pas comment lui avouer. Je n'arrive pas à lui dire. Tu es trop mignonne. Non, arrêtez, il y a trop de kawaii partout et il y a trop de musique sexuelle là derrière. Franchement, ça me perturbe. Je rêve où Shin vient de dire que j'étais trop mignonne. Putain, je rougis en plus. Arrêtez avec cette musique pourrie là. C'est une musique toute bizarre. Et ne me regarde pas comme ça si tu ne veux pas que je te jette sur le lit. Putain, la musique quoi, il me jette sur le lit. Ça fait... Je t'avais prévenu. Après bisous, morsures et câlins, Shin commence à me déshabiller. Ah, Shin, trop dans sa pensée, à m'embrasser en même temps, il n'entendit pas que je l'avais appelé. Shin, il ne m'écoute pas. Je repousse un peu. Je ne me sens pas encore prête. Excuse-moi. Je rêve où Shin s'excuse. Tu ne feras rien de bizarre cette nuit. Promis, je ne te toucherai pas. Et puis, la nécrophilie, c'est pas mon truc. Ah, la phrase dans 50 nuances de Grey. Ah, ça, je m'en souviens. C'est quand Anastasia Steele s'était vomi dessus. Puis le lendemain, hop, elle se réveille. Et il lui a dit, on a dormi ensemble, Christian. Non, la nécrophilie, c'est pas trop mon truc. Et on a fait l'amour. Non, c'est pas trop mon truc, la nécrophilie. Un truc comme ça, il dit. Après cette soirée, le lendemain, tu allais au lycée sans problème. Patan était partie et tu avais gardé contact avec elle. Yuji semble désolé de t'avoir fait du mal, tandis que Shin reste le même. J'adore quand Amino, elle présente ça. Je dis, bah putain, vous lisez... En fait, ceux qui font pas le bad ending, ils sont en train de lire « Yuji semble désolé de t'avoir fait du mal ». Les gens, ils se disent, de quoi? Eh ben, en gros, t'es obligé de faire le bad ending pour comprendre. Tu devais l'attendre devant le lycée. Tiens, Shin. Je t'arrête tout de suite. Ah, j'aime bien le décor derrière. Je t'arrête tout de suite. Après ce qui s'est passé, c'est pas possible qu'on ferme les yeux là-dessus, ok? Quoi? Il semble si sérieux. Alors je préfère qu'on en reste là. Ah, que l'on abandonne notre amitié, ok? C'est terminé ça. Mais non, arrête Mitsu, il veut dire... mais j'ai compris, hein. Il veut dire arrêter l'amitié pour commencer une histoire d'amour, non? J'ai les larmes qui me montent légèrement aux yeux. Et qu'on commence une relation sérieuse, c'est ce que je pensais aussi. Il allait quand même pas vous dire, bon bah, pff, salut, t'as pas voulu coucher avec moi, bon ben au revoir. Ce serait pas la pire ending ça, hein. Ce serait le bad ending, ce serait le manservant. Comme dans Diabolik Lovers. Est-ce que tu veux bien être ma petite amie Mitsu? Mais bien sûr, oui. Je t'aurais fait pleurer en te déclarant ma flamme, sauf que c'est pas terminé. Quoi? Dès que je t'ai rencontré, finalement, je savais mes sentiments vers toi depuis longtemps. Je jouais avec toi, mais pour... Moi, c'était un peu me rapprocher de toi. Putain, Shin qui ouvre son cœur, heureusement que je enregistre ça quand même. Je me sens si bien avec toi que j'aimerais toujours me trouver près de ton cœur. Je t'aime tellement que j'ai l'impression que je ne sais pas comment m'exprimer tellement mon cœur va exploser. Je t'aime, Mitsu. Moi aussi, Shin. Je te veux pour la vie, je t'aime tellement, Mitsu. L'embrasser aussi. De quoi? Aussi. Dans les deux cas, je te fous la scène de bisous. Dans les deux cas, je te fous la scène de bisous. Rien à faire, que tu sois d'accord ou non. C'est clair que, ouais. Oh, c'est trop beau! Tu conquis ainsi le cœur de Shin et vos sentiments sont plus que réciproques. Tu termines ta vie aux côtés de Shin. Ils vécurent heureux. Ailleurs, un enfant! Putain, un enfant, quoi! Kinshi. Ah ouais, c'est vrai! Merci d'avoir joué à mon jeu. Je ne penserai pas que vous serez... Oui, c'est vraiment heureux. J'espère que l'un vous aura plu. Oui, je sais, Mino. T'inquiète pas, j'ai lu ton truc. The End. Et voilà. C'était la fin de... Putain, de Diabolik Lovers, j'allais dire. C'est avec son Yato, là. C'est la fin de Claire de Lune. Alors voilà, donc, j'ai beaucoup kiffé. Après, les gens, je sais qu'il y a certaines personnes très perverses. Moi, je ne fais pas partie. Qui aurait bien voulu avoir des scènes un peu plus cocasses, machin, oui, je sais. Donc voilà, donc franchement, c'était un super chapitre, moi j'ai bien kiffé. Alors moi je sens franchement que Kinshi va me donner du fil à retordre parce que Shin il est très compliqué à comprendre, bordel, franchement, là j'ai compris un petit peu. Mais franchement, il y a des chapitres où je m'étais arraché les cheveux.
Et voilà, j'ai bien rigolé, c'était une grande aventure, clair de lune, franchement une aventure où j'ai bien rigolé. Je me suis bien marrée avec les saucisses, avec la mère, avec sa sœur, avec Yuji aussi, qui pétait des câbles monumentales, c'était un truc de dingue. Franchement, j'ai bien rigolé avec Tsuki et tout, j'ai bien rigolé. J'ai bien bien rigolé durant toute cette aventure. Donc voilà, donc franchement Mino, on attend ton prochain visual novel. Et voilà. Donc après pour ce qui est de moi, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo parce que je vais pas gâcher cette vidéo-ci à parler de mon jeu. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc on va se retrouver pour un chapitre de Zafira que je vais essayer de retrouver parce que franchement j'ai été mettre tous les chapitres dans un mon PC et en fait en rallumant mon PC bah, ça a fait un mélange de dossiers, c'est un truc de merde. C'est un truc vraiment de merde ce qu'ils ont fait, ce qu'a fait mon PC. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!